tous, j'espère que vous allez bien. Abukone, votre motivateur. Alors aujourd'hui, il y a l'école de la motivation. La première vidéo qui fera l'objet de notre intervention, c'est la puissance des objectifs. Quoi que vous fassiez, où vous êtes en ce moment, et ce que vous êtes en train de faire, comme je viens de le dire, demandez-vous pourquoi vous le faites. Où êtes-vous en train de partir? Quelle est la ligne que vous suivez aujourd'hui? Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Vous savez, récemment, j'ai lu un bouquin où j'ai tristement découvert que 95% de la population mondiale vit sans objectif. Et sachant que la Terre compte 7 milliards d'habitants, et quand on nous dit que 95% de cette population vit sans objectif, vous convenez avec moi que c'est alarmant, c'est pathétique, on va dire, c'est révoltant. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons dire aux étudiants de l'école de la motivation que vous devez avoir des objectifs. Les objectifs ont une puissance inestimable dans votre vie. C'est grâce aux objectifs que vous saurez ce que vous voulez exactement. D'accord? C'est grâce aux objectifs que vous saurez pourquoi vous devez avoir ce que vous voulez exactement. D'accord? Et on a pour habitude d'entendre les gens dire « Non, je me fais exploiter, on m'exploite, on m'exploite. » On t'exploite parce que tu n'as pas d'objectif. Parce que quelqu'un qui a un objectif, peu importe l'exploitation auquel il sera soumis, mais il va se lever un jour pour dire « Bon, voilà, il faut que je passe à autre chose, mais il faut que je fasse ça. » Ne dites pas que « Non, je n'ai pas le choix, mais ces objectifs que je donne une condition. » Non. Même si tu as des objectifs que je donne une condition qui ne te permet pas de les atteindre, à toi de te fixer un timing, une période à laquelle tu vas peut-être changer ta condition. Et c'est en ce moment-là que tu es en train de fixer tes objectifs. Les objectifs ont une puissance inestimable dans la vie d'une personne. Les objectifs vont vous sortir du gouffre dans lequel vous vous trouvez actuellement. D'accord? Alors, c'était le message que j'avais à passer aux élèves étudiants de l'école de la motivation. Et j'espère que après avoir visionné cette vidéo, vous allez vous fixer des objectifs spirituel, professionnel, financier et social également. Sur ce, je vous remercie.